Avant, j'étais médecin SAMU. Là, je suis dans l'hélico, on s'apprête à démarrer, le patient, il est au bout des tuyaux. J'étais très investie, battante, perfectionniste, je lâchais rien. Je faisais parfois des gardes de 72 heures. La fatigue, c'est pas un problème. Quand on entend « sortie SAMU », hop, un bon shoot d'adrénaline, et zou, envoler la fatigue. Mon credo, il ne faut pas s'écouter. Ma devise, quand on veut, on peut. Je gérais parfaitement mes émotions, coupées sous cloche. Un copain m'avait surnommé José, assumé, fonctionné, géré. Alors, dans le privé, j'avais à cœur d'être une mère attentive, une épouse agréable, etc. Puis une femme soignée, tout ça, je lisais les magazines féminins. Entre deux interventions. Vacances d'été. Nous arrivons le soir tard dans les Pyrénées. Demain, rando. Est-ce que je suis en forme pour ça? C'est pas un sujet. On part tôt le matin, on arrive au col, l'orage menace, on redescend tout de suite. Je sens mes jambes qui tremblent. Je serre les dents, je suis pas une chouchotte, hein. Et puis, je vais pas ralentir le groupe. Et là, en marchant, debout, ma jambe se casse. Je tombe. Les 4 heures suivantes, douloureuses, sous l'orage, coincée de guingois par les sacs à dos dans la pente, je me sens comme un fétu de paille ballotté par l'océan. Premier acte d'une prise de conscience. Alors, hélitreuillage, mais là, je ne suis plus dans l'hélico, je suis dans la nacelle. Et puis, opération. Les 7 mois qui suivent, je dors. Je dors la nuit, je dors la journée, je dors la soirée. J'arrive pas à lire, j'arrive pas à réfléchir. Je suis à fleur de peau, je veux voir personne. Je suis sur off. Mon corps a dit stop, ça suffit. Non mais, et quelle autre cuidance? Mais depuis quand c'est lui qui décide? Non mais, c'est ma tête qui décide. Mon corps, lui, il obtempère. Ah, je suis complètement désemparée. Désemparée par cet épuisement physique, émotionnel, intellectuel, cognitif. À l'époque, le burn-out, la notion de burn-out n'est pas encore arrivée jusque chez nous. J'ai un besoin vital de comprendre. C'est alors que la question d'un thérapeute, qu'est-ce qui vous fait plaisir dans la vie, vos ressources, me plonge dans un abîme de perplexité. Mais qu'est-ce qui me fait plaisir dans la vie? Qu'est-ce qui me ressource? Comment je fais ça? Ben, j'en sais rien. Et vous? Vous savez comment vous faites? Ce qui vous ressource? Qui vous fait du bien? Alors je me fais accompagner. Qui je suis vraiment? Quel sens a mon travail? Quelles sont mes motivations profondes? Quel sens j'ai envie de donner à ma vie? Peu à peu, je me retrouve. Alors j'ai adoré faire du SAMU. C'était vraiment super. Mais la relation, c'est important pour moi. Être en relation avec les personnes. Alors j'opère un virage et je deviens médecin généraliste. En parallèle, je me forme, parce que ça m'a aidé, alors je me forme, à la psychothérapie par l'image mentale et d'éthique auprès des Québécois. À l'hypnose ericksonienne, aux thérapies comportementales et cognitives, vous vous souvenez, je suis un peu perfectionniste. Mais je me soigne. Et j'accentue le virage, je deviens médecin psychothérapeute. Et alors maintenant, j'accompagne des personnes en souffrance. Anna, que son limbago cloue au lit. Mathilde, qui ne sait plus servir de son ordinateur. Martine, qui s'est mise à bégayer. Arnaud, qui est persuadé qu'il a une maladie d'Alzheimer. Pierre, un homme habituellement très courtois, qui a balancé ses dossiers à la tête de son comité de direction. Tous avec un bilan de santé parfait et un superbe déni
Non, un burn-out, pas eux, pas possible. Ce sont des battants. Eh ben si. Si, si, si. Un burn-out, ils sont cramés. Burn, c'est cramé. Les Québécois, ils disent, on est brûlés. Mais alors, c'est quoi un burn-out? Eh bien, ce n'est pas une dépression. C'est la collision entre une personne, une personnalité, vous vous souvenez, très investie, battante, qui ne s'écoute pas, etc., qui ne fait pas sa chochotte, avec son histoire personnelle, un travail, avec ses exigences, son organisation, les personnes qu'on y rencontre. Et puis un contexte plus global, social, sociétal, l'accélération globale, la crise, etc. Et dans cette rencontre entre une personne, un travail et un contexte, l'énergie dépensée est supérieure à l'énergie restaurée. Il y a déséquilibre de la balance énergétique de l'individu. Comme me disait Arnaud, c'est comme si je courais un marathon, mais il n'aurait pas de ligne d'arrivée et je passe pas au ravitaillement. Vous avez vu notre planète? Elle crie son désespoir. Elle nous montre la voie du développement durable. Eh bien, comme le désespoir de notre planète, le burn-out, c'est une réalité, comme le réchauffement climatique. Et puis, ça se multiplie. Alors, moi, je vous propose, au lieu de le subir, alors, au risque de vous choquer, d'en faire une opportunité. L'opportunité de prendre conscience qu'on peut faire du développement durable de notre énergie personnelle. Puis si on ne le fait pas, de toute façon, on va sur off. Notre énergie personnelle est renouvelable. La thérapie que nous oblige à faire le burn-out nous permet aussi, cerise sur le gâteau, de mieux comprendre qui on est, mieux se respecter, être davantage en accord avec nous-mêmes, nos valeurs. Comme me disait Arnaud, si je n'avais pas fait un burn-out, ben j'aurais continué perpétuellement à reproduire les mêmes schémas. Ou Elliot qui m'a dit c'est fini, je cesse de lutter contre la personne que je suis. Alors, bien sûr, il est indispensable d'interroger notre organisation du travail, le mode de management, etc. Et puis les choix sociétaux, sociaux à l'échelle de la planète et d'agir à ce niveau-là. Mais chacun de nous, à notre échelle, à l'échelle personnelle, le burn-out qui nous oblige à faire de la thérapie pour se remettre en question nous permet d'aller interroger nos choix, nos besoins, le sens dont on a besoin. Alors comment on fait ça? Bon, je ne vais pas vous donner toutes les recettes en quelques minutes, mais on va voir quelques aperçus. Le camembert. On dessine un camembert, vous pourrez le faire chez vous si vous voulez. Quelle tranche vous réservez au travail? Alors pas juste le temps que vous y passez, hein, le temps plus j'y pense. La famille, les amis, et puis le temps pour vous. Pour vous que pour vous. Hein? Laurence, qui est en burn-out, à qui je propose de faire cet exercice, devant le paperboard, me dit « Le travail, la famille, c'est pas facile. C'est pas facile, parce que quand je suis au travail, des fois, je pense à mes enfants, puis quand je suis avec mes enfants, je pense à mon travail. C'est pas simple. Mais en revanche, le temps que je passe pour moi, c'est très facile. 2 heures par mois chez le coiffeur. » Et en dessinant cette toute petite tranche pour elle, elle s'écroule. Elle prend conscience. 2 heures par mois pour elle. Et vous, quel temps vous prenez pour vous? Comment vous faites ça? Alors moi, j'ai découvert que le jardinage me vidait la tête en rentrant de mes gardes SAMU. En même temps, ça me fait travailler mon perfectionnisme. Bon, vous pourrez regarder, il y a encore un peu de boulot de ce côté-là. Hein, mais on va se mettre à la permaculture. Un peu de désordre organisé, ça va mettre du mouvement. Le temps qu'on prend pour se ressourcer pour soi remonte notre énergie. Si on le vit en pleine conscience. Ah, mais alors c'est quoi la pleine conscience? Ben c'est très simple. C'est enfantin. Et en même temps, c'est compliqué à mettre en application.
la pleine conscience, c'est vivre les choses en étant pleinement conscient de les vivre, présent à l'instant, sans être dans les regrets du passé, si j'avais su, si j'avais eu d'autres parents, si j'avais fait d'autres études, etc. Ou la critique de soi. Ouais, ben, t'es mauvaise comme speaker, hein, franchement. Ou l'anticipation de la catastrophe. On n'y arrivera pas, on ne va pas nous suivre, ça va foirer. Donc, vivre en pleine conscience les moments qui nous ressourcent. Alors, il y a un autre petit truc pour faire ça. Je suis sûre que vous en avez entendu parler, mais je suis sûre aussi que vous ne le faites pas. Ou pas tous les jours. Ah, vous pouvez le faire tous les jours maintenant, après le TEDx, là, tous les soirs. Tous les soirs, vous notez 5 choses positives vécues dans la journée. Un dossier terminé, un rire partagé avec quelqu'un, un petit moment tranquille pour vous. Si vous n'en trouvez pas 5, vérifiez si vous n'êtes pas sur la réserve, hein, côté carburant. Alors, une autre question. Est-ce que vous croyez, est-ce que vous pensez être une personne affirmée? La plupart des personnes en burn-out, vous vous souvenez, c'est des battants, responsables, engagés, investis, répondent oui. On est affirmé. Être affirmé ou assertif, c'est prendre soin de ses besoins propres autant que de ceux des autres. Alors, je vous invite à observer comment vous vous comportez. Oh, les faits, hein, pas comment vous pensez faire, comment vous faites. Et puis bien souvent, chez les gens en burn-out, on se rend compte qu'ils prennent beaucoup plus soin des besoins des autres que des leurs. Et je me souviens d'Anna, manager avec une voix impérieuse, persuadée d'être quelqu'un de très affirmé. Et bien en fait, en regardant ses comportements, on se rendait compte qu'elle prenait soin des autres tout le temps. Puis jamais d'elle, puis au travail comme à la maison. Prendre soin de ses besoins est légitime, c'est vital. Alors là, j'entends Jean qui me dit, ouais, votre histoire de besoins, là, c'est quand même un peu tarte à la crème. Hein? Ouais? Non, c'est pas tarte à la crème. Hein. C'est prendre soin de ses besoins fondamentaux, de nos besoins de sens, nos besoins de valeur, nos besoins de reconnaissance, nos besoins de relations sécures, saines. Être affirmé, c'est toujours ce mot-là, être en équilibre, prendre soin des besoins des autres et des nôtres. Prendre soin de ses besoins, nos ressources. Moi, avant, quand j'avais du temps pour moi, ben, je prévoyais de faire plein de choses. Bien sûr, j'en faisais qu'une partie. Alors le soir, au lieu de me féliciter de ce que j'avais fait et de remettre du carburant dans ma machine, je regardais ce que je n'avais pas fait. Vous ne faites pas ça, vous. Hein? Non, vous êtes content de vous le soir, même si vous n'avez pas tout fait. Et puis, apprendre à tenir nos frontières. Vous savez, notre espace personnel, là, comme ce rond, par exemple, sur lequel je suis, notre espace physique, notre espace émotionnel, apprendre à le tenir, ça s'apprend, ça. Moi, j'ai appris ça en image mentale et d'éthique. Au départ, quand on m'en a parlé, j'ai dit hop. Et puis, je me suis dit, qu'est-ce que je risque à expérimenter? Eh bien, c'est génial. Et depuis, ça m'accompagne en permanence, c'est même devenu un automatisme. C'est comme la pleine conscience. Il faut s'entraîner, puis après, on le fait naturellement. Et Oscar, mon formateur québécois, il me disait, José, c'est beaucoup moins coûteux de tenir les gens à distance que de les sortir de tes frontières quand ils sont rentrés. Et puis, tenir ses frontières, ça permet de tenir à distance les personnes toxiques. Vous savez, c'est attrayant les personnes toxiques, mais il vaut mieux pas s'en approcher. Les manipulateurs, les harceleurs, les passifs-agressifs, on en a tous dans notre entourage, hein, c'est normal. Donc après ce petit florilège de ce qu'on peut faire, alors chaque personne est unique et chacun a besoin de faire son travail à soi sur ses croyances, ses choix, ses besoins.
Moi, j'ai envie de vous poser une question. Une seule. Si vous, chacun, chacune d'entre vous, ne prenez pas soin de vérifier vos indicateurs personnels, vos jauges, d'actionner vos freins à bon escient, de passer à la pompe, remettre du carburant, de prendre soin de vos besoins, qui le fera à votre place?